s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. On s'est battu pour la garder. Du monde pour un jour de pluie. Hein. J'ai vu autant de gens dehors. On ira à Matignon. C'est pas dans les salons. On aura satisfaction. C'est on va gagner. Ça c'est des on va gagner. On va gagner. CGT. À chaque fois, ce sont des millions de gens dans la rue. Aujourd'hui encore, nous sommes 12 000, 6 000 selon les forces de l'ordre, à Aubenas. Notre mobilisation est à la hauteur de l'attaque qui nous est portée. Une réforme d'économie rapide, brutale et injuste. Et il faudrait que l'on travaille toutes et tous plus longtemps pour produire plus. Au profit de qui exactement? Parmi nous ici, personne n'en sort gagnant. Le gouvernement, de plus en plus fébrile, de moins en moins persuasif, bégaye. Le déficit de la caisse des retraites est abyssal? Mensonge! D'abord, parce que ce déficit, il n'existe pas encore. Ensuite, s'il y en a un, c'est 12 milliards qui est annoncé en 2027. Donc, doit-on rappeler que l'ensemble des aides reçues par les entreprises représentait en 2019 157 milliards? Alors, le gouvernement dit vouloir sauver notre système, c'est que si on ne le réforme pas, il est en danger? Encore une fois, mensonge! Doit-on rappeler que la même majorité était prête en 2019 à faire voler en éclats notre système par répartition? Alors selon Macron, c'est une réforme de justice sociale qui améliorera le sort des femmes. Mensonge! La majorité des femmes part déjà plus tard à la retraite. Avec la réforme, elles vont être contraintes de travailler encore plus longtemps tout en subissant toujours les effets de la décote. Et oui, pour beaucoup, elles ont des carrières hachées ou des temps partiels subis sur des contrats précaires. La validation des trimestres pour enfants, au passage deux fois moins importante dans le public que dans le privé, ne compense pas l'absence de carrière complète. Au risque de se répéter, cette réforme est un choix politique clair, faire porter au plus grand nombre des cadeaux fiscaux que l'on promet à une petite minorité. L'âge de départ à la retraite à 64 ans ne se négocie pas. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques semaines déjà Margaret Borne. Pour une fois, nous sommes d'accord. Il n'y a rien à négocier. C'est non à l'allongement de la durée de cotisation et non au recul de l'âge de départ à la retraite. Parce qu'on ne négocie pas une régression sociale. On la combat. 90% des salariés disent non, 70% de la population dit non, et des millions de personnes défilent chaque semaine pour dire non. Alors, qui est donc la minorité qui bloque le pays? On ne bloque rien, nous. On montre à ce gouvernement qu'il ne peut pas tourner le dos à celles et ceux qui font tourner le pays. Pour débloquer la situation, on a même des propositions. Augmenter les salaires de toutes et tous, plus de cotisations, c'est plus de sous dans la caisse des retraites. Augmenter les cotisations des entreprises. Elles baissent constamment depuis 30 ans, sans qu'aucun bénéfice sur l'emploi n'ait été mesuré. Et coûte 30 milliards par an. Mettre à contribution les plus grosses fortunes. On se prive de 3,5 milliards d'euros par an à cause de la suppression de l'ISF et de centaines de milliards à cause de la fraude fiscale.
La cerise sur le gâteau fiscal, c'est que la France n'a mis aucune taxe sur les super profits. D'autres solutions existent. De l'argent, il y en a. Le problème, c'est comme toujours, sa répartition. Et avec ce pognon de dingue, on pourrait non seulement lutter contre une régression, mais travailler à une amélioration pour toutes et tous. Une retraite à 60 ans sur la base d'une durée de cotisation de 37,5 annuités, prenant en compte les années d'études.